Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse et de débriefing pour le système Full King sur le Dow Jones 100 ticks, et on va également parcourir le 500 ticks ensemble. Alors, 9h commence ici, pas de priorité particulière, donc on avait ici avant 9h une validation de setup de divergence, mais on vient de casser le plus haut ici. Donc à la première alerte du King TT qui est là, on n'a pas de sens de priorité, donc on regarde, pas de range long terme actif, tendance haussière, donc on ne peut pas tenir compte de cette alerte. Alerte de divergence baissière ici. Alors, la ligne de tendance, eh bien, tout simplement, c'est celle-ci. Parce que je regarde un peu avec le... Donc, vous voyez, ici, on a un break de la ligne de tendance, donc qui fait 15 points. On a 262 et 268, donc on n'a pas suffisamment de... On n'a pas 10 points ici entre la ligne de tendance court terme et l'oblique. Il faut que je prenne l'habitude de dire oblique pour éviter de confondre ligne de tendance court terme et le break de l'oblique. Donc on attend ici ce break là, donc bon, il est léger, là un peu plus intéressant. Donc si j'avais pris position, ça aurait été ici. Si j'avais pris un premier bénéfice, ça serait là, donc à 40 points. Donc pour rappel, c'est le contact ou la proximité, hein, quand il y a 4-5 points de différence, ok, c'est bon, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h. On a la possibilité de prendre un TP. Donc ici on n'est pas en zone de range long terme au moment du contact ou de la proximité, donc on se met ABE pour le deuxième lot, et donc vous voyez qu'ici on se fait toucher ABE juste là. Hop. Ce qui termine le premier trade. Ensuite, on remonte, alerte King TT baissière. On est toujours dans la priorité donnée par le setup de divergence baissière. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas franchi s'il est plus haut au moment de l'alerte, hein, qui se passe là. Et on n'a pas atteint l'objectif 2. Donc ici, alerte dans le sens du setup de divergence. On pouvait entrer en position et on va rechercher un objectif ici à plus ou moins, on va dire 15 points. Nouveau setup de divergence qui se matérialise après. Hop, ligne de tendance. Ici, vous avez le break, mais vous sentez bien qu'on n'a pas 10 points ici. Donc on attend le break de la ligne de tendance court terme. Donc on s'arrive... Oula, désolé, mauvais réveil, hein. On arrive ici, donc on a notre contact ou proximité qui se trouve là. Donc ça fait de nouveau 40 points. Au niveau du contact, on est en zone de range long terme, donc on peut laisser traîner notre stop ici en haut. Hop là, on se met à BE ici au moment où on touche ou traverse la ligne, enfin pardon, l'enveloppe grisée, décidément. Hop là, et on va rechercher ici notre objectif 2 à 110 points. Ensuite, on avait une alerte de setup de divergence ici. Alors, on pouvait sans doute aller la prendre. Donc, vous voyez, on a le break ici à la fois de l'oblique et de la ligne de tendance avec un chandelier de 11 points. Donc, on pouvait éventuellement ici reprendre une position à la vente qui donnait donc 30 points. Le stop qui se déplaçait ici au-dessus, puisque on était en zone de range long terme au niveau du contact. Ici, on se mettait ABE et là, on allait rechercher notre deuxième objectif à 100 points. Ici, toujours dans le sens de la priorité baissière, on a une alerte King TT. Hop. On pouvait entrer ici en position et aller rechercher 15 points. Eh ben, en une heure, il y avait de quoi faire là. 250, 280, 310, 350 points sur la première heure de trading. Ok, ensuite, donc là on attend 15 chandeliers pour attendre la fin de la priorité donnée par le setup baissier. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas entrer en position ici sur le setup de divergence haussier puisque la validation se faisait dans les 15 chandeliers. C'est pas pour ça qu'il ne donne pas son sens de priorité. Donc ici on a une alerte King TT dans le sens du setup de divergence à la hausse, donc on pouvait rentrer en position ici, et là tout juste, puisqu'on est à un stop loss de 70 points, tout juste, hop, bah ici voilà, on a la possibilité de sortir ABE sur celui-là. Ensuite, alors là, on a un setup de divergence de zone. Qui va s'activer. Donc là on est en attente de validation du setup de divergence de zone, donc on ne peut pas prendre l'alerte du King TT ici. Pour ceux qui n'ont pas vu la divergence de zone, et bien tout simplement vous aviez la possibilité de sortir quasi ABE ici également. Alors sa divergence, elle se valide, donc vous aviez ici la ligne de tendance première, vous voyez qu'ici il y a une mèche qui se forme. Hop, donc vous devez adapter votre ligne de tendance à la mèche. Vous avez ici donc un break, mais qui est tout léger, donc on regarde le chandelier suivant, c'est le chandelier suivant qui valide ici donc les setups de divergence, même celui qui était indiqué par l'indicateur ici juste après. Donc vous aviez une entrée possible ici, un premier contact là, qui vous donnait donc 25 points. Au moment du contact, on était en zone de range long terme, donc on pouvait laisser traîner notre stop ici en dessous. Vous voyez qu'on n'est pas repris, et donc on va rechercher ici notre objectif 2 à 90 points. Autre setup de divergence juste après, la validation elle se fait ici, vous allez chercher 35 points, on est en zone de range long terme au moment du contact, donc on peut laisser traîner notre stop ici en dessous, et puis ensuite hop, on va rechercher notre objectif 2. Attention que la mise ABE se fait ici au niveau du contact de la borne haute ou de la sortie de la borne haute de la zone grisée. Et là on pouvait aller rechercher 35 et 100 points. Ici vous aviez un nouveau setup de divergence haussier, mais il est validé ici en zone grisée, donc on n'en tient pas compte. Vous aviez ici le long canal descendant, vous voyez que vous aviez le break qui se faisait là en plein dans la zone grisée. C'est quasi la validation, vous le verrez après sur le setup, sur le graphique 500 tick, c'est quasi la validation ici, donc c'est le trade que j'avais pris hier et dont j'avais partagé l'évolution dans les canaux. Allez hop, désolé, j'ai eu un appel téléphonique, donc on reprend. Donc, en vert, ce sont les trades du 500 tick, hein, pour rappel. Donc ici, on termine notre setup de divergence, donc double setup de divergence à la hausse. On attend 15 chandeliers avant de pouvoir reprendre... Ah, désolé, encore un appel. Alors, reprenons. Donc ici, on n'avait plus de priorité après 15 chandeliers. Ici, ce que vous deviez remarquer, c'est par rapport à la hausse, toute la hausse qui est ici. Vous avez ici un setup de divergence de zone qui est validé. Vous voyez, vous avez le beau canal ascendant ici, et vous voyez le break se fait à ce niveau-là. Donc on avait un setup de divergence qui pouvait être pris, puisqu'on était à plus de 15 chandeliers. Vous voyez, on était à 20 chandeliers. Donc on pouvait ici entrer en position à la vente. Hop, en reverse. Vous voyez qu'on vient de prendre appui sur la zone grisée. On remonte, on revient. Et puis au moment où on vient faire le break de la zone haute ici, hein, avec toutes les zones de consolidation court terme, eh bien il ne faut pas hésiter à sortir. Donc ici on est en stop à moins 40 points. Ensuite, autre setup de divergence baissier ici, qui va dans le sens du premier, et vous voyez que on vient breaker la ligne de tendance là, et bien entendu si on reprend position, on casse à nouveau ici la même zone haute. Voilà, c'est un rebond, un double appui sur la zone grisée avant une reprise de la tendance haussière. Donc là on sort également au même endroit, donc on est à moins 30 points, pardon. Ici, setup de divergence baissier prioritaire, donc il n'est pas validé. Ici, l'indicateur fait un nouveau plus haut, donc on doit aller checker à l'arrière pour voir si on a un setup de divergence de zone. Vous avez toujours le plus haut qui était ici, vous avez un plus haut qui est plus bas, et vous avez ici une zone où on fait des plus hauts, et là, une nouvelle qui est plus haute. Donc vous avez un setup de divergence de zone par rapport à cet élément-là. On avait le canal ascendant de nouveau, le beau break qui arrive là. À nouveau, on baisse. Ah, pardon. On baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse, on monte, on fait du yo-yo, hop, et puis là, on vient retester, ici on casse fortement, vous voyez qu'on reprend fortement la hausse, c'est l'Open US si je ne me trompe pas, oui, voilà, donc là on est à moins 60 points, on dégage de cette position vite fait, bien fait. Après, on verra aussi hein, sur le 5 centiques, parce que là vous voyez, si comme moi vous étiez dans le setup 5 centiques, voilà, ça, il n'était pas encore terminé, donc moi je prends pas forcément ce genre de position pendant que je suis en trade, donc c'est à dire que j'ai un plan qui était haussier sur la journée, donc j'avais pris mon entrée haussière et puis j'étais parti et j'ai laissé l'actif travailler ici toute la hausse et je suis sorti, donc j'avais pris 50% sur le premier objectif, 25% supplémentaire ici, et j'avais laissé traîner 25% pour aller rechercher un objectif d'une épaule tête-épaule inversée sur l'horaire, le 15 minutes. Bon, après tout ça c'est venu, c'est descendu fortement, donc j'ai pris le reste de mes bénéfices. Et ensuite, j'ai fait un trade malheureux, donc on le verra ensemble tout à l'heure, qui m'a grugé bon, une partie de mes bénéfices sur la journée, c'est le risque. Mais ce genre de trade, voilà, quand je suis en position et que mes objectifs n'ont pas encore été atteints, par exemple en fonction du 5 centiques, eh bien je ne rentre pas forcément en position sur ce type de trade, surtout qu'on voit très clairement qu'on est pour l'instant sur une tendance très, très haussière. Et donc j'ai plutôt... tendance à attendre vraiment une stagnation, un pullback, et puis je prends les setups du pullback quand j'ai la chance d'être devant bien sûr. Mais là je débriefe tout, donc ici alerte King TT, on pouvait la prendre, boum, ici on se prend à moins 60 points, donc on vient de se faire 4 stop loss d'affilée. Ensuite on monte, setup de divergence ici visuelle, on break ici 70 et 135 points. Donc celui-là, bon, il était rapide, hein. Celui-là était beau. Boum, boum, hop, rien à dire, au revoir et merci. Les setups de divergence à la hausse ici, tout cela sont pas validés, les suivants non plus. Éventuellement, il y a ici quelque part où on peut entrer en position, donc vous avez la ligne de tendance, voilà, c'est celui-ci, vous entrez en position, vous avez le pullback, enfin le drawdown ici, donc bon, 70 points sont pas atteints, vous avez le premier objectif et le deuxième objectif qui seront hop, atteints, donc là vous avez 50 et 115 points. Ah bah, il y en avait des choses à dire sur cette journée, dis donc. Ensuite, vous avez un autre setup de divergence ici, à la baisse. Vous avez la ligne de tendance qui est celle-ci. Vous avez le break ici. On a clôture, on a plus de 10 points entre la ligne de tendance court terme et la clôture, donc on pouvait entrer en position là, on avait 65 points ici, et on allait rechercher directement le deuxième objectif. Donc on est 65 et 130 points. Salut Stéphino, salut Fonk. Ensuite, donc ici on avait atteint l'objectif 2, donc on attend 15 chandeliers avant de pouvoir considérer une autre alerte. Donc ici précédemment on avait des setups de divergence. À quel moment est-ce qu'ils ont été validés? Eh bien on avait ici notre ligne de tendance directe, donc ils ont été validés ici. Et vous voyez qu'on n'a pas 15 chandeliers, donc ils donnent bien leur sens de priorité baissier, mais nous on n'avait pas l'autorisation suivant les règles d'entrée en position. Donc on avait l'objectif 1 qui était atteint et pas vraiment l'objectif 2. Ensuite, on vient casser le plus haut ici. Donc ici, on perd notre sens de priorité baissier. Donc on regarde ce qu'on a comme, comme alerte. Un nouveau setup de divergence à la baisse. La validation, elle se fait avec ce chandelier-là. Si on travaille la ligne de tendance, vous voyez, la ligne de tendance est ici. Vous avez ici une mèche, donc on adapte notre ligne de tendance, et celui-ci break bien. Mais pour moi, voilà, on frôle vraiment la zone grisée, donc moi, c'est pas le genre de trade que j'aime bien prendre, je préfère être plus haut. Donc ceux-là, moi, je les considère pas en fait, c'est comme si on était dans la zone grisée quasiment. Mais c'est pas pour ça qu'il donne pas à nouveau son sens de priorité à la baisse. Donc ici, pas de alerte à la baisse, ici on en a une, donc on pouvait entrer en position suivant le sens de priorité du setup de divergence. Donc on baisse, ah, il n'a pas mis, hop, on baisse, on monte, et puis là on va rechercher 15 points. Ensuite, on vient casser les derniers plus hauts ici, donc on perd notre sens de priorité baissier. On vient rechercher la ligne de tendance court terme, on remonte, on a des setups de divergence qui apparaissent. Ici, est-ce qu'on a une validation quelque part? En tout cas, on n'a pas de validation suivant la cassure de la ligne de tendance court terme. On a une première ligne de tendance qui se dessine, qui est celle-ci. On adapte à la mèche. Vous voyez que ici, le break n'est pas suffisant. Puis on a une mèche, on a une autre mèche. On adapte, on adapte, on adapte, et là on est à la frontière, trop près avec la ligne de tendance court terme, donc il n'y a pas de validation sur ces setups-ci de divergence. Ensuite, ici, donc vous voyez ici les setups de divergence, là on a une belle validation ici, vous avez la possibilité d'entrer en position, et on va rechercher objectif 1 à 55 points. Au moment où l'on vient toucher, donc on n'est pas ABE, donc le deuxième, on se fait sortir ici à ABE. Tchouk. Donc c'était là. Puisque là, vous voyez, à un moment du contact, on n'est pas ABE, puis bon, il faut un certain temps avant de se mettre ABE. Dans tous les cas, on a transpercé la zone grisée, donc on se serait mis ABE de toute manière. Donc ici, on est repris sur le deuxième lot. Ça, pardon, ils sont pas mis en vert, mais à mon avis, vu où ils se positionnent, c'est du 500 tick, donc on va les mettre en vert. Hop là, voilà. Ensuite, pas de setup, donc on a un nouveau setup de divergence baissier ici, mais vous voyez qu'il est validé en zone grisée, donc bon, suivant les règles, on ne pouvait pas entrer en position. Donc on termine ici le deuxième objectif, on attend 15 chandeliers pour ne plus être en priorité baissière. Donc là on observe, on observe, on observe, on a toute une flopée ici de setup de divergence à la hausse. Donc là on a vraiment notre ligne de tendance qui se trouve ici, voilà, là on a un beau break, est-ce qu'on a nos 10 points? On a donc 35 et puis la clôture 18, donc là on avait nos 10 points, donc on pouvait entrer en position ici sur ce trade dans le setup de divergence. Bien entendu, on reste toujours prudent quand on a la ligne de tendance long terme qui baisse, Donc ici, on se faisait avoir à moins 70 points. Hop. Autre setup de divergence validé. Enfin, en tout cas, ici on a un break, mais avec un chandelier qui n'est pas... enfin, il fait 18,5, mais vous voyez que le corps... Je vais zoomer un peu. Vous voyez que le corps ici, c'est une longue mèche haute, donc on est censé adapter notre ligne de tendance à la mèche. Puis la suivante, c'est une mèche. Donc ici, on attend le break de la ligne de tendance court terme en orange. Vous voyez que ça mèche au niveau de la zone grisée. Donc pour moi, il n'y a pas de validation ici de ce setup de divergence. Ensuite, ça dégringole, ça dégringole. Ici, donc, on est avec une alerte King TT. On n'est pas en zone de range long terme. Donc, on regarde la tendance qui est carrément baissière. Donc, on ne peut pas entrer en position. Ici, pareil. Ici, pareil. En plus, de toute façon, on a un setup de divergence à la hausse qui demande à être validé et qui sera validé ici. À ce niveau là, et c'est ce trade là que j'ai voulu prendre parce qu'il était sur une de mes zones, et donc voilà, j'avais mis mon stop et je me suis fait fracasser perso à 100 points parce que j'avais mis ici en dessous. Donc pas de raison, moins 100 points dans le débrief. Ensuite, tous les setups de divergence ici, donc celui là les derniers sont validés. Ici, donc vous avez le chandelier qui valide, qui est là. Vous aviez la possibilité d'entrer en position. Ici, attention, parce qu'on est toujours fortement baissier, donc là, il faut se méfier. Donc vous voyez directement, on a de nouveau un stop loss qui était à plus de 70 points. Donc ici, voilà, on va pas être stoppé avec 100 points. Généralement, après 70 points, oups, mon stylo, j'ai perdu mon stylo. Quand vous avez une volatilité comme celle-ci, le stop loss passe à 100 points, voire 120. Ça dépend un peu là où se trouve votre dernier point bas. Ici, si le dernier point bas est au niveau des 70-80, généralement, il y a un stop loss à 100 points qui est mis. Ici, c'est ce que j'avais mis là d'ailleurs, hein, juste avant. Ici, donc, on est à 90, donc bon, voilà, ça passe. Et bon, on va rechercher ici 15 points. Bon, c'est pas vraiment le genre de trade... sur lequel du coup on fait énormément de points, parce que tout simplement on prend position là et vous avez la ligne de tendance qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse avant de commencer un peu à s'adoucir. Donc voilà, pour le deuxième lot, dans ces cas-là, en fait, le deuxième lot, vous comprenez très bien qu'avec 19 points, il y a de fortes chances qu'il se fasse stopper ABE, ce qui est le cas ici. Hein. Donc dans ces cas-là, soit vous prenez vos deux lots en TP directement, parce que vous savez qu'il y a de fortes chances qu'on vienne buter ici, qu'on vienne faire du yo-yo avant de s'en extraire, ou avant de reprendre à la baisse. Ici, bon, c'était une reprise à la baisse. Donc après certains trades, n'essayez pas trop d'être gourmand compte tenu de la conjoncture précédente. Il faut aussi pouvoir ne pas s'entêter dans une structure. Par exemple, ici, moi, j'ai pas repris position après. J'ai pas repris position sur ce trade-là. J'ai laissé couler. J'ai attendu d'avoir une structure de consolidation. Et moi, dans mon analyse, en fait, ceci était un... bon, je vais vous le dessiner, hein, mais... était... un triangle qui pour moi devait se fracturer par le bas, et donc j'attendais la cassure de ce triangle par le bas et le point bas pour une reprise haussière. Malheureusement, bah, le point bas il a eu lieu à quelle heure? Oh bah 20h05, le moment où on faisait le coucher des enfants. Et bon, c'était l'endroit où il était pile poil sur ma zone. Il vous fait une épaule, tête-épaule inversée ici sur le senti, qui vous donne le point d'entrée ici avec tous les setups de divergence, la validation sur la zone, donc retracement 61.8. Je vais vous montrer d'ailleurs après sur mon graphique d'analyse à plus long terme. Enfin bref, ici je reviens sur le reste. Donc ici on a un nouveau setup de divergence à la hausse, vous voyez, hein, celui-ci, vous aviez la validation qui va se faire par le break ici, à la fois de l'oblique baissière et de la ligne de tendance court terme. Donc là, même topo, vous aviez la possibilité d'aller rechercher l'objectif 1 à 30 points et l'objectif 2 up à 0. Ensuite, on vient casser les plus bas ici. Donc, pour ceux qui font du hors-piste, voilà, ceci était une très belle occasion de reprendre une vente pour aller dans le sens de la baisse. Nous, ça nous enlève notre priorité acheteuse qui se trouve ici. Donc, boum, 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 vous voyez, c'était un très beau trade. Hein, vous pouvez donner pas mal de points. 250 points quasi, donc voilà. C'est pas inintéressant de temps en temps de regarder les vidéos pour apprendre à travailler le hors-piste avec la méthode du setup du range court terme. Donc ici, alerte King TT est clairement en contre-tendance, donc on l'oublie. Les setups de divergence à la hausse, tout ça, le break se faisait ici. Suivant la méthode, vous aviez objectif 1, 100 points, objectif 2, 164. Et je vais aller vous chercher directement l'analyse, comme ça vous pourrez voir où on se trouvait à ce moment-là. Voilà, ça généralement c'est le graphique sur lequel je trade, et voilà, ici on est sur le 25 000 ticks. Vous voyez, ça c'était ma zone ici, donc j'avais pris le Fibo, la zone des 61,8, la zone de support chartiste, la zone basse de mon canal hebdomadaire ou 25 000 ticks haussier, donc la dernière zone basse. Donc moi j'attendais cette zone pour pouvoir entrer à l'achat. Bon bah voilà, le setup que j'attendais et qui se trouvait là, vous voyez, bon là il marque 19h26. Si on vient reprendre ici, voilà, l'entrée se faisait là, hein, 20h05, et vous aviez l'occasion de prendre toute la hausse depuis 20h jusque là-bas. Vous voyez, donc il y a un trait vert aussi, donc vous aviez l'occasion d'entrer sur le 500 ticks juste après. Donc là on va terminer le 100 ticks. Ici, donc pas de setup de divergence validé à ce niveau-là. Ici, donc on venait de terminer le setup de divergence à la hausse, donc on attendait 15 chandeliers avant de considérer une autre alerte. Donc ici on n'a rien, on n'avait même pas de potentielle alerte pour une reprise dans le sens de la tendance, ce qui est dommage. Bon, tant pis. Ici on a contre-tendance, pourquoi? Parce qu'on n'est pas en zone de range long terme, et vous avez la ligne de tendance qui monte, vous avez les prix qui montent également, donc rien à faire avec ces deux alertes-ci. On avait ici une alerte de setup de divergence baissier. Vous voyez que la ligne de tendance est clairement celle-ci. Donc on est là, s'il veut bien me la tracer. Voilà. On n'a pas de vrai break de la ligne de tendance court terme ici. Donc on ne prend pas position, mais on reste en priorité baissière puisqu'on a dépassé la ligne de tendance et l'oblique. Ici, donc, le setup de divergence au niveau de la priorité, il est activé et il se désactive ici au moment où on refait un nouveau plus haut. Là, par contre, on a des alertes de divergence. On aura la validation qui se fait ici par ce chandelier au break de la ligne de tendance court terme. Hop. On avait notre objectif 1 ici à 45 points et notre objectif 2 ici à 100 points. J'ai plus de place sur ma feuille tellement il y a eu de trades dans la journée d'hier. Ensuite, voyons voir où se trouve 21h30 pour ne pas débriefer trop loin. Ici. Alors, donc on attend nos 15 chandeliers avant de pouvoir considérer une autre position. On a des setups de divergence à la hausse. La validation de ceci. Vous avez votre ligne de tendance ici qui passe là comme ça. Vous avez ensuite des mèches, des mèches, des mèches. Ici, est-ce qu'il fait plus de 10 points? Il fait plus de 10 points, mais on est pile poil sur la zone ici. Donc moi, j'attends par exemple ce chandelier-là pour entrer en position. Hop, et donc là, on pouvait aller rechercher encore 35 points. Et 100 points. Voilà qui termine 30 minutes juste sur le débriefing du Centic, pour vous dire que pour ceux qui sont arrivés en cours de route, il y avait pas mal de choses à dire. Donc allons voir pardon, ce que ça a donné. Alors on avait 40 plus 15 plus 40 plus 30 plus 15 plus 0 plus 25 plus 35 moins 40 moins 30 moins 60 plus 70 plus 50 plus 65 plus 15 plus 55 moins 70 moins 100 plus 15 plus 30 plus 100 plus 45 plus 35. Ce qui donnait un potentiel de 315 points pour l'objectif 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 trades gagnants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 perdants et 1 BE. Donc ça faisait quand même 24 trades possibles sur la journée. Bon bah voilà, il n'y avait pas de quoi s'ennuyer. Ensuite, pour l'objectif 2, donc on avait un BE 15 points plus 110 plus 100 plus 15, un BE plus 90 plus 100 moins 40 moins 30 moins 60 moins 60 plus 135 plus 115 plus 130 plus 15, un BE moins 70 moins 100, un BE, plus 160, plus 100, plus 100, 825 points pour l'objectif 2, et on a eu 1 BE, 2 BE, 3 BE, 4 BE en plus, donc on a eu 13 gagnants, 6 perdants et 5 BE. Voilà ce qui faisait une journée sur le Centik avec un potentiel de 1140 points. Donc voilà, c'est une semaine qui est très très active ici, qui est très propice au setup Centik. Donc c'est assez sympathique. Maintenant allons voir ce qui s'est passé sur le 5 Centik, parce que comme il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu des possibilités aussi sur le 5 Centik. Le voilà. Alors, voyons voir la journée d'hier, jeudi. Ça, hop, on va enlever. On a bien le bon graphique ici aussi. Alors, jeudi, 9h, c'est plus loin. 11h36. Bon, il me manque un peu d'unité derrière, mais on n'avait pas de... La première entrée, c'est celle-ci, en fait. Et on avait... Ah, je vais quand même devoir... Je vais mettre la vidéo sur pause. Hop là, voilà. C'est parti. Donc là, on a les bonnes configurations avec un peu plus d'historique. On avait un setup de divergence ici à la hausse qui est validé ici. On avait la possibilité de faire 70 et 190 points. Ensuite, on avait la possibilité de prendre une alerte King TT à la hausse ici, puisqu'on est en zone de range long terme. On pouvait entrer en position ici et aller rechercher l'objectif théorique ici à 90 points. Ensuite, setup de divergence, vous le voyez, il est noté ici hein, à la baisse, donc on pouvait entrer en position là ou là. Donc ici on avait quoi? On avait 79 et la clôture 96, donc vous aviez plus de 10 points d'écart entre le break et la ligne de tendance court terme, donc vous pouviez rentrer ici. Donc vous aviez la possibilité d'aller rechercher 100 et 230 points. Ensuite ça dégringole, donc là on n'a pas nos 15 chandeliers, ici on n'est pas en zone de range long terme et on est à contre-tendance, plus un setup de divergence qui est prioritaire, il n'y a pas de validation. Ici en bas, vous voyez, c'est la fameuse validation de 20h, donc là on pouvait aller rechercher le premier objectif à 240 points. Et ensuite, donc là on était à BE, on se faisait prendre à BE ici. Et c'était à quelle heure? Bon, c'était à 2 h du matin. Donc bon, voilà. Donc ça c'est pour le débrief d'hier. Et ici aujourd'hui, 9 h, qu'est-ce qu'on a? On a un setup de divergence à la hausse à surveiller pour le moment sur le 500 tick. Donc on n'a pas encore eu de validation. Vous avez la ligne de tendance à regarder qui est pour moi celle-ci pour le moment. Vous avez donc les alertes divergence qui priment sur les alertes King TT, donc patience. Vous avez le canal baissier à surveiller qui est celui-ci. Vous voyez, un contact, deux contacts, ici un contact, deux contacts. Donc voilà, pour l'instant on travaille ici dessus. Ici donc on monte, on baisse, on monte, on baisse. On pourrait remonter, surveiller ici soit un W, un X et un Y, donc une reprise haussière, soit un break pour un triangle avant une continuation de la baisse. Donc bon voilà, à surveiller. Sinon sur le 500 tick, on avait combien ? Il faudrait que je fasse des colonnes spéciales hein, si je commence à débriefer le 500 tick tout le temps. Hop. Donc pour le premier, on avait 70 plus 90 plus 100 plus 240. On avait 500 points. Et pour l'autre, on avait 190 plus 90 plus 230 plus BE. Hop, on avait 510 points. Donc on avait 1000 points aussi à prendre sur le 500 tick, donc bon voilà, hein, ça fait une journée à 2150 points sur le Dow Jones, c'est pas mal, c'est une excellente journée. Malheureusement, c'est toujours dans ces journées-là où je suis parti en rendez-vous toute la journée et où je loupe tout ça et où je suis bien frustré quand je fais le débriefing. Bon voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Si vous avez envie de tester le système Full King, pour rappel, il reste, je pense, quelques places, enfin une ou deux de mémoire. Il y a toujours la possibilité de rentrer dans le test des 3 mois ici, pour les tout nouveaux, les personnes qui ont envie de le découvrir. Donc bon, n'hésitez pas à revenir vers moi. On voit ensemble comment on peut procéder. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée de trading en espérant qu'elle soit aussi bonne que celle d'hier. Ciao!